Bonjour à toutes, bonjour à toutes, c'est Maxime Monnaie, on se retrouve pour la suite de la soliste de Fahrenheit. Et on enchaîne. Et ce sera sûrement là la dernière vidéo que je vais faire au point son sur Fahrenheit. Voilà. Puis ensuite on fera Fallout 3, hein, évidemment. J'étais brûlant de fièvre. Je tremblais de tous mes membres. La migraine était revenue me briller le cerveau, et pour couronner le tout, mon estomac refusait toute nourriture. Mon corps semblait se rebeller contre quelque chose, mais j'ignorais encore quoi. Bon, donc voilà. On va pisser un petit coup pour que le moral remonte. Vous avez remarqué que le moral de Carla dans les précédentes vidéos a remonté, hein, drôlement. Vite. Ouais. Par contre, là, Lucas Kane, c'est le seul où son moral est encore assez bas. Enfin, non, Tyler aussi, là, c'est bas. Allez, on a une carte. Et ouais, les fameuses cartes à trouver. Donc là, on va se laver les mains. Ah non, ça va. Son moral va encore. Ouais, bah voilà, il est neutre. Ça va. Ça va. Eh, vas-y, attends, on sèche les mains. J'ai dit on sèche les mains. Il a toujours ses poignets, hein, vous aurez remarqué. Non, on se regarde pas dans le miroir. Allez, on y va. On va au bureau. Reprendre une vie normale, coûte que coûte. Ne pas éveiller les soupçons. Malgré mon état, j'avais décidé d'aller au bureau. Comme si rien ne s'était passé. Ouais. Donc là, vous remarquez, il faut aller en haut à gauche. Mais je vais me promener un petit peu. Car vous devinez, il y a encore des cartes de bonus un peu partout. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller. Voilà, on va fouiller. Parce que ouais, si je me souviens bien, il y a des cartes de bonus quelque part, mais je me rappelle plus où. On va fouiller un peu, ça vous dit? Voilà, je vous l'avais dit, carte bonus. Inutile de le déranger. Voilà. Donc j'aime bien de fouiller un petit peu, trouver des cartes. Hé hey Lucas, je crois que j'ai chopé un virus. Tu pourrais jeter un œil dans la journée? D'accord. Le fameux virus dont ils ont parlé dans une précédente vidéo. Hein, on avait reçu un mail. Putain, c'est quoi ce virus? C'est fermé. Je n'ai rien à faire ici. C'est sûr que si t'as rien à faire. Oh, bah vas-y, on boit une petite boisson là. Un petit cappuccino, hein. Et voilà. Ça fait toujours du bien. Donc voilà, j'ai réussi à trouver une carte encore bonus. Je me suis acheté des bonus, hein, depuis la précédente vidéo, je vous le dis. Hein. Ah, je l'avais dit. C'est à tous vous les montrer. Après, je sais pas si ce sera dans. Salut Lucas. Ouais, salut. Je pense que ce sera dans une vidéo à part que je ferai une après avoir fini le jeu, une vidéo bonus en quelque sorte. Oui, j'adore faire des vidéos bonus. Bon allez, vas-y, hein, on va arrêter de perdre notre temps. Hein. Ouais, je crois que je sais pas s'il y en avait qu'une seule de carte bonus, s'il y en avait plusieurs, ben c'est pas grave. Salut. Hein. Donc là, on va aller à notre bureau. Voilà. Tous les autres sont fermés. Je suis responsable informatique à la banque Nazer et Jones. Je partage mon bureau avec Warren. Il neige encore. Les prévisions météo annoncent une nouvelle chute de température dans les jours qui viennent. Ouais. Comme on l'a pu le remarquer, hein, il arrête pas de neiger, il fait super froid. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon, salut mec. Tu as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un petit problème sur le chemin du retour. J'ai dû rentrer chez moi, changer de vêtements. Ouais, on y croit vachement, hein. Je suis sûr que lui, il y croit vachement. Hein. Attends, on va essayer de voir de son côté s'il y a quelque chose à fouiller. Ouais, le mec pas discret, tu sais. Salut, ça va, wesh? Bonjour, je te pique quelques trucs. Bon, allez, on va s'asseoir à notre chaise.
Et on va aller faire quelques trucs. Ce mec est trop bizarre. Il fout les boules. Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Tu viens de dire quelque chose? Non, j'ai rien dit du tout. T'es sûr que ça va, Lucas? J'ai entendu quelque chose. Comme si j'entendais ses pensées. Bizarre. Bon alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà. On a une vie maximum, nombre déjà atteint par talisman. Parce que pendant le jeu, on pourra trouver des talismans qui nous font gagner de la vie. Et vous voyez, on peut en avoir 6 en tout. Et comment ça marche, ben, en fait, lors des phases en QTE, les seules phases où ton perso peut crever, ou aussi si on perd le moral au maximum, on meurt. Ah non, je crois que c'est que pendant les QTE, ça. En fait, dans les QTE, si tu te foires et que tu crèves, tu reprends au début de la séquence de QTE, grâce au talisman. Par contre, si tu perds tous tes talismans et que tu crèves, ben, tu recommences depuis le début de la mission. Non, pas le début du jeu, ils sont pas sadiques à ce point. Non, il y a que les Mario qui seraient sadiques à ce point. Hein. Merde, non, c'est pas celui-là, c'était l'autre que je voulais fouiller. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, une photo de famille. Tiffany et moi. C'était il y a 2 ans, je crois. J'ai pas encore pu me résoudre à jeter ces photos. Cette liste. Oui, allô? Bonjour, Lucas. Salut, Tiffany. Je t'ai laissé un message hier soir sur ton répondeur. J'aimerais récupérer quelques affaires chez toi. Est-ce que je pourrais passer ce soir? Oui. Je pense que je serai rentré vers 8h ce soir. Ok, je ne serai pas longue. Est-ce que tout va bien, Lucas? Il faut que je te laisse. Je suis occupé, là. Salut. Prêt. Attention. Merde. Ah merde. C'est chiant. Juste parce que j'ai foiré un seul truc. Bon, pas grave. Premier truc que je foire. Je sais pas ce qu'on aurait vu, mais c'est dommage. Ça va. Ok, ça rassure vraiment, hein, ce genre de truc. Allô? Oui, monsieur. On s'en occupe tout de suite. Le poste 62 est en panne. J'y vais. Non, non, laisse tomber. Je vais y aller. Comme tu veux. Donc voilà, on va y aller. Et en fait, la séquence où j'ai raté, normalement, je crois qu'elle nous montre une prémonition qui fait une prémonition où on le voit justement renverser son café, comme il l'a fait là. Voilà. Mais vu que je l'ai raté, on l'a pas vu. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon voilà. On va se lever, hein. Voilà. On va se lever et on va aller ben justement au poste dont ils nous ont dit pour aller faire la vérification, hein, tranquille, quoi. Sauf que vous allez sûrement remarquer quelque chose, hein. Oui. Tout le monde a disparu. Ouais. Et généralement, quand tout le monde disparaît dans un endroit comme ça, moi ça me foutrait les boules, sérieusement. Mais bon, vu qu'on est Lucas Kane, on s'en fout. Attention. Oh, c'est bizarre ce genre de prémonition, hein. Moi je te le dis, c'est bizarre.
Attention, là, je vais me taire parce qu'il faut se concentrer. Voilà, les civis. Chouette journée hein, aujourd'hui. Hein. Matrix. Bon, ça, j'ai eu chaud. Hein, quoi? Ouais, sauf que c'est ce que j'avais fait avant, mais évidemment, hein. Mais évidemment, ils m'ont pas compté. Il faut espérer de le faire hyper rapidement. Hein. Vous me doutez, là, on est. Il te le compte pas ici. Hein. Deux gueules d'un même cerveau. Non, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement. Non, je déconne. Je vais essayer de reprendre après. Ben oui! Je vous l'ai pas dit! Ce jeu, il frise souvent! Ha! C'est tellement drôle. Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends? Tu vas bien? Hé, hey, mais t'es blessé. Tu saignes. Il faut que je parte. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui venait de se passer. Mais une chose était sûre. Ces choses avaient failli me tuer. Non, ouais, j'espère que ça vous a plu. Oui, oui. J'étais obligé de faire une coupure vu que ça a frisé. On se revoit prochainement pour Fallout 3. Et en attendant, bah, j'espère que ça va être bien le retour de Fallout 3. Et j'espère que vous avez aimé les vidéos là. Oui, le jeu commence bien. Commence bien. Bien. Allez, bye les gens.